Le ministre de l'Équipement et du Transport, M. Aziz Rebah, s'est entretenu ce jeudi à Rabat avec le ministre français délégué chargé des transports, de la mer et de la pêche, M. Frédéric Cuvillier. Donc c'était une discussion très fructueuse. Nous avons convenu donc de mettre en place les outils nécessaires pour qu'on puisse mettre ça en œuvre et de voir quelles sont les choses qui sont immédiates et qu'il faut les concrétiser. Et bien sûr, les choses qui demandent plus de réflexion. Bien sûr, il y aura des réunions des équipes techniques et des départements concernés, des institutions, pour qu'on puisse mettre en place des projets qui peuvent être bénéfiques pour les deux parties. Cette rencontre a permis de mesurer l'intensification des liens entre les deux départements et les progrès des projets en cours de mise en place. Puis des perspectives, ce sont des perspectives de confiance entre nos services, de savoir-faire partagé entre nos deux pays, nos industriels également, et puis notre souci de répondre aux préoccupations de nos populations autour de la mobilité, autour des enjeux de structuration et de réponse aux préoccupations qui sont les leurs. Et cela passe par des questions autour de la sécurité, par exemple. Nous devons travailler ensemble, de la mobilité dans les centres urbains où nous travaillons ensemble. Dans ce cadre, une convention a été signée mercredi à Casablanca entre l'Office national des chemins de fer et la Société nationale des chemins de fer français, et trois autres marchés ont également été signés dans le cadre du projet de la grande vitesse.